Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois que je fais une vidéo avec ma tête. J'espère que vous appréciez. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale, du coup. Oui, il y a ma tête, effectivement. Mais de plus, j'ai acheté un livre MSP sur Vinted et du coup, je voulais vous le présenter. Donc voici ce magnifique livre. Il y en a peut-être parmi vous qui le connaît. Il y a déjà des vidéos qui ont été faites, mais moi, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire la mienne. On est fou, on est fou. Donc certains étaient déjà au courant que je l'avais acheté parce que je l'avais mis sur Instagram. Je suis hyper active dessus, donc n'hésitez pas à rejoindre. Il s'habille juste là, alors venez rejoindre. Et du coup, aujourd'hui, on va le découvrir du coup avec vous. Je l'ai déjà un peu feuilleté, je vous avoue, ça m'intriguait. Et franchement, c'est pas mal. Bon, par contre, il est en anglais, donc je vais essayer de traduire ça au maximum. Donc voilà le livre, donc il se présente comme ça. Moi je le trouve plutôt beau, je trouve qu'il a un beau design, en plus genre j'aime bien l'avoir en main. Genre il est doux, il est doux le livre. Du coup, je vais l'ouvrir. Donc c'est la première page, on a des stickers. Ils sont vachement sympas je trouve. Je sais pas, vous trouvez qu'ils sont sympas? Moi je les trouve vachement sympas. Je pense pas les coller, mais ils sont jolis. Ensuite, en deuxième page, on a le petit logo de Movistar Planet. Oh, il y a une petite tache là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Du coup, on a le logo de Movistar Planet. J'aime bien cette page, je la trouve nette, elle est belle. Je vais dire que toutes les pages sont belles. Donc, du coup, le guide officiel. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu veux te dire de plus? Le guide de la vie sur movistarplanet.com. Là, il faut mettre son nom, du coup, et il faut dessiner, du coup, sa Movistar. Et là, du coup, c'est le sommaire. Donc, voilà, donc on commence, enfin. Donc, là, on a la page d'accueil. Donc, on peut voir que ça date un peu, parce que c'est plus comme ça, maintenant. Déjà, les personnages aussi, ils ont vachement vieilli, je trouve. Ensuite, la prochaine page. Donc, celle-là, elle me plaît. Je sais pas, elle est jolie. Donc, pour mettre le nom de sa Movistar et son email. Bon, non, si tu le perds, tu peux le noter ici. Donc là, c'est pour t'apprendre un peu le début du jeu. Donc, tu peux choisir ta couleur de peau. Tu peux être un gars ou une fille. Il y a des yeux. Regardez ses yeux. Ouh. Ses vêtements, c'est très laid, par contre. Ouais, les vêtements sont pas ouf. Hein. Franchement, c'est des vieux trucs pas beaux. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ah, donc là, c'est tout ce qui est animation, je pense. On peut avoir plusieurs expressions du regard, ok, c'est sympa de savoir ça. C'est vrai, je le savais pas. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est? Là, c'est les héros, ouais, d'accord. Ok, bah en fait, ça explique vraiment le jeu. Vraiment, c'est vraiment le guide, quoi. Oh, regardez ces vieux vêtements. Oh, ça date, ça date, ça date. Voilà, là, c'est des vieux vêtements de fou. Ça, je me souviens de ce pantalon, il y avait des gars et des filles qui le mettaient. Et puis celui-là aussi, je crois que je l'ai. Je dois l'avoir, ce pantalon, il est pas beau. Il est laid. Ah, et puis il y a ça aussi. Ouais, mais tout ça, ça date. C'est dans les premiers vêtements, en fait. Donc là, on a encore des vêtements pour garçons, ce coup-là. Franchement, les vêtements pour garçons, au début, c'était vraiment les pires. Donc là, c'est pour, du coup, le visage. Donc les différents yeux, maquillage et tout. Je sais pas s'il dit toujours ce maquillage, je crois pas. Là, c'est les différents nez et les différents yeux, du coup. Ensuite, donc là, c'est pour faire des looks, du coup, je suppose. Oh, le pauvre, il est coupé. Oh non! Mais ils sont très moches les looks. Habillez-vous mieux. Bon, cette coiffure en vrai elle est jolie. Mais les looks ils sont pas fous hein. Ensuite, ah c'est pour les chambres. Tu peux créer ta chambre du coup. Donc j'ai regardé un peu le bouquin avant et je trouvais que les chambres elles étaient vachement sympas. Genre celle-là. Bon elle est pas belle mais elle est, je veux dire, elle est bien assortie. C'est joli en vrai. Regardez là cette chambre elle est belle de ouf. Oh il est trop mignon poney. Ensuite, ah là c'est du coup c'est des objets et tout le prix. Ensuite on peut se faire du coup des amis sur MSP. Ouais c'est un peu le but. Et je sais pas si vous vous souvenez, avant il y avait une salle de chat de l'école comme ça, maintenant elle n'existe plus. Donc là c'est un guide pour comment se faire des amis et puis du coup les garder je pense. Donc on regarde les activités des autres, on les commente et on participe et tout, ok. Faut pas insulter les gens, ok. Faut pas utiliser un mauvais langage. Faut pas parler en gros de la vie privée des gens et ah oui faut pas parler de la famille et tout. Alors là c'est des trucs à explorer du coup sur Movistar Planet, donc les films, les jeux, les pets. Regardez c'est des petits ponies, c'est trop mignon. Oh regardez il y a le casting, ça date, ça date, ça date. Ensuite on a tout un truc sur les boonies, mais les boonies il y en a plus maintenant, bah il y en a mais ils sont un peu mieux quoi. Donc là c'est toujours sur les boonies du coup, bon par contre il y a beaucoup trop de texte quoi, à trop dur là c'est vraiment horrible. Les pets du coup. Ah regardez, là c'est après les boonies, il y avait ces petites bêtes là. Ensuite, ah je préfère ces pages, donc là c'est un quiz, mais bah, il faut pouvoir déjà traduire. Là c'est du coup on fait une liste de souhaits des animaux qu'on veut.
Ensuite, alors oui, c'est rempli, c'est pas moi, c'est parce que je l'ai acheté d'occasion du coup, parce que ce livre tu peux pas l'acheter neuf, bah parce qu'il se fait plus, du coup j'achète d'occasion et du coup la fille m'avait dit qu'elle avait écrit juste à un endroit et c'est cet endroit là. Mais c'est pas grave, du coup là faut mettre l'argent qu'on a sur le jeu à ce moment là. Donc là faut écrire les trucs qu'on veut quand on aura assez d'argent. Ensuite, là ça te dit comment en gros gagner des fame. Là tu peux mettre la date que c'est, combien t'as de fame et quel level tu es. Donc ça c'est bien, ça montre une petite évolution et tout, c'est cool je trouve. Donc là pareil c'est des vêtements encore, des vêtements de star, on peut constater. Et puis là bah c'est mon profil, donc mon prénom, mon âge, mon adresse. Et ok, après la suite on connaît. On peut mettre ses amis du coup aussi, donc leur prénom, leur âge et tout. En collant une petite image d'eux, c'est sympa. Et puis on arrive à la fin. Et il y a un poster qui est un petit peu déchiré, la fille m'avait prévenu, mais c'est pas très grave, il est déchiré un tout petit peu là. Donc voilà le poster. Donc il est sympa, je l'aime bien. Donc voilà, on a fini le livre. Ouais, il n'y a plus rien ici. Donc je sais pas si je vais le garder ou si je vais le vendre à mon tour sur Vinted ou pas. Je pense pas que je vais prendre les stickers ni que je vais écrire dedans, donc autant le vendre, je pense. Je vais encore y réfléchir. Donc j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Moi je l'ai trouvé très sympa ce bouquin et du coup je voulais vous le présenter. Ça m'avait vraiment fait plaisir de l'acheter pour faire une vidéo dessus en plus avec ma tête. Comme ça vous la voyez au moins une fois dans une vidéo. Donc moi je vous laisse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et puis commenter pourquoi pas. Et moi je vous dis à la prochaine, bisous à tous.